Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril, donc ce n'est pas le poisson d'avril. C'est simplement pour vous présenter un peu tout ce que je fais avec tout ce que je récupère et que je fais. Puisque hier, les copinettes, ils étaient en train de faire des défis et de montrer les choses qu'on peut faire en récupérant les affaires qu'on jette. Premièrement, je remercie tous mes abonnés, tous ceux qui regardent ma chaîne. Une petite pensée pour ceux qui sont malades et que nous sommes le mois d'avril, que le mois d'avril arrive avec le bon pied, comme on dit. Si vous êtes bien installés, c'est parti pour la récupération, tout ce qu'on peut faire. Moi, premièrement, j'achète les serviettes, comme vous constatez, regardez. Des petites serviettes. OK. Et donc là, je récupère, par exemple, ça, c'est une bouteille de vin, oui. C'est une bouteille de vin, du vin blanc, d'ailleurs, ce que je vois. Je récupère la bouteille, je nettoie, j'enlève les marques, tout ça, tous les petits papiers, tout ça, je lave comme il faut. Avec de l'eau et du savon, la vaisselle, avec du vinaigre, de l'eau chaude, et ça devient impeccable. Voilà. Et là, j'ai fait avec des serviettages. Vous voyez. Et donc, sur ma chaîne, s'il y a création, vous avez comment il faut faire de serviettage, d'accord? Avec de la colle blanche. Et voilà, et c'est tout. Vous voyez. Parce que j'ai déjà fait une vidéo en expliquant comment il faut faire. Et là aussi, une deuxième bouteille. Regardez. Et là, j'ai récupéré un petit de la récup hein, et ça, les petites décorations, c'est un de mes sacs que j'ai jeté, c'était abîmé. Donc, je récupère des petites choses comme ça. Je jette pas, je récupère toujours. Et là, c'est une voilà, comment dirais-je, quand on achète les cornichons, voilà, regardez, en verre. J'ai fait la peinture à l'intérieur. C'est peinture acrylique, hein, vous voyez. J'ai fait de la peinture à l'intérieur. Et après, j'ai fait aussi de la peinture. Ça se fait avec ce genre, vous voyez, des taches comme ça. C'est une éponge avec l'éponge qu'on fait, l'éponge de la vaisselle, tout ça. Vous tapotez comme ça. Et ça donne ce genre, comment ils disent, craquelé, un truc comme ça. Donc là, j'ai mis l'image, regardez. J'ai mis l'image avec des petites dentelles, tout ça. Et ça, j'ai mis des petites fleurs dedans pour décorer. Voilà. Et celui-là, c'était avec les betteraves. Vous voyez, comme c'est joli comme ça, il y avait des betteraves dedans. Voilà. Je fais avec des ficelles. Je mets des petites perles. Et c'était fait aussi avec la peinture acrylique. Et c'est aussi, ça j'ai fait aussi avec un petit pinceau. Vous passez, et là j'ai mis une autre couleur, du vernis. Donc ça fait, vous voyez, une petite minute, hein, je reviens. Et là, dans ma cuisine, regardez, je décore comme ça. Vous voyez, c'est la récup, hein? Donc, vous voyez, ça fait comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un peu, disons, du lilas, un truc comme ça. D'accord? Et celui-là, j'avais fait pour mettre le petit porte-monnaie, pour mettre les tickets de métro. Regardez. Et j'avais fait avec le truc, bouteille de lait. Regardez. Et là, vous pouvez mettre les tickets de métro ou bien petite porte-monnaie. Et là, vous voyez, avec du scratch, vous décorez un petit bouton, il faut ça, voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de récup qu'on peut faire aujourd'hui. Comme aujourd'hui, nous parlons beaucoup de sauver la planète. Donc, il y a des petites choses qu'on peut faire au lieu de jeter à la poubelle, d'accord? Et voilà, ensuite, comme je faisais du serviettage, comme je vous ai montré, soit vous coupez avec ciseaux, ou soit avec une lime à ongles, vous faites comme ça.
Excusez-moi pour le bruit, vous faites comme ça et ça devient c'est propre, d'accord? C'est comme ça que je procède. Et là, pour vous montrer, ça, c'est pas de récup, mais bon, je vous montre quand même puisque j'ai fait une petite présentation. Vous voyez l'assiette comme ça? C'est ce genre d'assiette qui est transparent qu'on achète là, vous voyez? Donc, je décore ça comme ça. Avec la colle aussi pour faire du serviettage. Regardez un deuxième que j'ai fait aussi avec Tour Eiffel. Donc voilà, avec Tour Eiffel. Et un autre que j'ai fait pour avec des serviettes pour Noël. Tout ça, c'est du serviettage, d'accord? Tout ça, c'est du serviettage que je fais avec les assiettes transparentes qu'on achète et après on peut les décorer comme ça pour présenter les l'apéritif, les gâteaux pour Noël. Donc ça fait vraiment très joli. Bon, je pense que j'ai tout dit. Simplement, comme je disais, une copinette que je vais faire une petite présentation, tout ce qui est concernant la récup. Donc, je lui ai dit que je le faisais, donc c'est fait, voilà. Donc pour le 1er avril, bon 1er d'avril, poisson d'avril comme on dit, je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye, Cilia Création. Bye bye, ciao ciao.